Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program, l'épisode 10 de la saison modée. Et on se retrouve pour commencer avec quelque chose qu'on prépare depuis un certain nombre d'épisodes. On en parle depuis quelques temps. Et du coup, ça y est, on commence avec, écoutez, comme d'habitude, notre design avec cette énorme coiffe en haut de notre fusée. Et de plus en plus, je pense qu'on va pouvoir utiliser ces fusées où on a juste genre une énorme fusée très puissante, quelques boosters et c'est tout. Là, en l'occurrence, j'ai été assez surpris, j'utilise les boosters liquides de la 0.23.5. Voilà, moi je les ai toujours vus comme des boosters purement, mais en fait non, ils peuvent aussi être utilisés comme de vrais... un vrai réacteur, quoi. Alors, ce que vous voyez là, c'est la sonde qu'on va envoyer sur Moho. Alors, la rencontre exacte avec Moho n'est que dans 9 jours, mais j'ai envie au moins de mettre en orbite mon vaisseau. Une fois en orbite, on va pouvoir y aller. Vous avez pu peut-être remarquer que cette montée était la première que j'ai réussi à faire en tournant avant d'arriver vraiment dans l'espace, sans que ça parte complètement en live. Mais bon, c'est plutôt pas mal, il y a du progrès. FAR change quand même sacrément tout le moteur aérodynamique et depuis j'arrivais pas à trop le manier. Alors premier transfert interplanétaire dans cette série, on va sur Moho et donc vous avez pu voir que je brûle toujours autour de Kerbin plutôt que d'attendre d'être arrivé dans l'espace entre les planètes justement interplanétaire. Parce que j'ai plus de force comme ça, en étant plus près d'une planète. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même un sacré changement d'orientation, donc je vais pas pouvoir en profiter tout le long. Là, je vais quand même, à un moment ou à un autre, devoir quitter la planète, et c'est là que je me rends compte, en mettant un autre point de manœuvre, que... c'est pas là que je me rends compte, donc je vais pas vous spoiler... On y viendra après, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il y a un petit problème. En attendant, moi ce que je vais faire, c'est quelques petites analyses de science, parce que je suis au-dessus du soleil, j'ai quitté la sphère d'attraction de Kerbin, et donc j'ai de nouveaux messages de science, et j'ai des nouvelles opportunités pour récupérer de la science, et pour la renvoyer. Alors, ce que j'ai fait, qui est un petit peu particulier, c'est que vous voyez que le magnetometer, je l'ai que sur ma sonde principale, mais j'ai un petit bout de sonde au-dessus qui ne fait pas partie du même bloc, pour ainsi dire. Et en fait, ce que c'est ça, c'est un bout de sonde qui est complètement autonome, hein, qui peut fonctionner seul. Il a un panneau solaire, batterie, antenne, une sonde et tout. Et ce que je vais faire, c'est que c'est dans ces trucs-là que voilà, celui que je viens juste d'envoyer, c'est là-dedans que j'ai fait toutes mes expériences. Ce qui fait que lui, il peut envoyer toute la science. Pas la température, malheureusement. Et il va pouvoir tout envoyer sans utiliser les expériences que j'avais réservées pour Moho. J'en ai envoyé deux. Une pour l'expérience loin au-dessus de Moho et celle pour juste au-dessus de Moho. Donc c'est la différence entre Space High et Space Near. Voilà. Donc elle, je la renomme parce que sinon on va pas s'en sortir. Sun Probe, qui faisait donc partie de la Moho Probe à la base. Et elle, on la retrouve avec un énorme réservoir pour le moteur nucléaire. Je crois que rien que cet étage-là avec le moteur nucléaire, il équivalait à quasiment 8000 mètres par seconde de delta V, ce qui est absolument gigantesque. Mais bon, c'est très bien, c'est que du bonheur. Par contre, du coup, ce qu'on va faire par la suite pendant la série, je pense, c'est que certains des vols comme ça, on en aura plusieurs en même temps. C'est-à-dire que si j'envoie une sonde vers une autre planète, eh bien peut-être que je la laisserai faire son petit bout de chemin, et pendant ce temps-là, je continuerai à faire d'autres missions en attendant qu'elle arrive. Pour ceux qui suivent Scott Manley, dont je parle de temps en temps, c'est ce que lui fait. Et d'un côté, je suis pas fan, mais en même temps, d'un autre, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste et
Niveau technologie, enfin, il y a certains trucs qui deviennent vraiment obsolètes. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que sinon, le problème, c'est que si on suit une mission jusqu'au bout, eh bien, vous allez voir que là, alors moi, j'arrive pas tout à fait à voir. Je suis à. Attendez, je vais me remettre en résolution intégrale. Je suis à 109 jours de voyage. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire en 109 jours? Donc, imaginez-vous, là, je suis même pas à la moitié du chemin pour arriver jusqu'à Moro. Alors si j'attends d'y arriver, enfin c'est colossal le temps perdu. On se retrouve avec une save de 10 ans, alors qu'au final on a fait 3 missions, quoi. Donc voilà. C'est là que je commence à me rendre compte du problème dont je parlais tout à l'heure. Concrètement, j'ai suivi Kerbal Alarm Clock qui me disait. Attention, à tel moment, t'as une fenêtre de transfert. Du coup, je fais OK, nickel. Je mets mon truc pour ça et quand ça arrive, ça veut dire que c'est la fenêtre parfaite, je vais pouvoir y aller. En fait, non. Soit c'est moi qui l'ai très mal utilisé, auquel cas, j'espère que vous me le direz dans les commentaires que je suis complètement débile, mais je vous fais confiance pour ça. Ou alors, c'est juste que Kerbal Alarm Clock qui est faux. Mais j'ai utilisé un autre logiciel, enfin un site externe que j'ai montré en live d'ailleurs, que je vous mettrai dans la description. Et ça nous dit, je viens de telle planète ou de tel astre, ça peut aussi être d'un satellite, et je vais à tel autre corps céleste. Voilà à quel angle il faut qu'on soit par rapport au Soleil, et voilà à quel angle il faut que je parte au niveau de l'astre de départ. Bon, ce sera plus clair si vous cliquez sur le lien, et puis pour ceux qui connaissent, bah, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Toujours est-il que ça ne marchait pas. Hein. J'arrivais pas à. Bon, après, c'est peut-être aussi de ma faute. J'aurais pu, je pense, avoir un rendez-vous, mais il m'aurait pris probablement plusieurs années dans le jeu. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir autant de temps qui passait dans le jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechargé, j'avais une sauvegarde rapide, et du coup j'ai rechargé pendant qu'on était toujours autour de Kerbin, et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je crois que j'ai dû... Oui, j'ai attendu que Kerbin soit dans la bonne position par rapport au diagramme que je voyais sur la page web, ou du moins que Kerbin et Moho soient dans la bonne position l'un par rapport à l'autre. Et je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus simple comme rencontre. Et notamment, là, en brûlant un petit peu, j'ai pu avoir ma rencontre. Voilà, un petit coup de miniature. Je suppose que c'est la miniature que vous retrouverez sur YouTube. Alors voilà, on brûle jusqu'au bout. Les points de manœuvre, quand même, ça change la vie. Je me souviens encore de quand on les avait pas. Et vous voyez que là, j'ai une rencontre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre beaucoup plus proche quand même. Hop, et on va vérifier qu'on a une bonne trajectoire. Alors là, notamment 3 000 km de périapsis, c'est vraiment trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapprocher. Parce que n'oublions pas que je veux deux choses. Je veux la science high over Moho et near Moho. Donc voilà, je veux passer très proche. Et alors le truc, c'est que ça n'a pas marché. La périapsis, donc là je suis high over Moho, donc ça c'est ce que je voulais, très bien. Material study, je vais. Alors là j'hésite beaucoup. Est-ce que je l'envoie pour 20%? Bon, c'est dommage, mais en même temps, cette sonde ne va jamais revenir. Je me dis, en attendant, je vais la garder, on sait jamais, si ça se trouve, j'aurai assez pour revenir, qui sait. Mais magnétomètre, je l'envoie. On y reviendra un petit peu plus tard, ceci, au magnétomètre. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que mon périapsis est à 929 millions... non, 929 km. Alors que ça me disait 100 km. Du coup, j'essaie de freiner un petit peu, et là je me rends compte de la vitesse de mon orbite, qui est quand même de 8 500 mètres par seconde. Or, juste à côté, vous voyez qu'en delta V, il me reste 3 800 mètres par seconde. Autrement dit, je ne peux pas freiner. Je ne peux pas me mettre en orbite autour de Moho, quoi que je fasse. Et d'ailleurs,
pour me le prouver à moi-même, je teste un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si, à l'endroit du périapsis, je freine à mort? Donc, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut faire, hein, pour se mettre en orbite, c'est spécifiquement au périapsis qu'il faut freiner si on peut. 8000. Voilà, donc en gros, il faudrait que mon réservoir, qui est à moitié vide, soit rempli, voire je pense qu'il me faudrait peut-être un poil plus. Autrement dit, c'est complètement mort. Donc j'ai quand même freiné histoire d'eux. Je me suis dit, qui sait? Bon, ça servait à rien, et au bout d'un moment, je me suis arrêté en me disant, et si j'essayais de retourner sur Kerbin quand même, est-ce que ça me permettrait par exemple d'avoir 100% de la science au lieu de juste 20% ou 40%? Désolé pour le chien derrière, elle est agitée depuis le début de la journée, je n'arrive pas à la faire se taire, les aléas des vacances, bon, c'est pas dramatique, je pense. Alors, cette mission terminée, on a renvoyé toute la science et j'avais 600 de science quand même, et je me suis posé beaucoup de questions sur quoi j'avais envie de dépenser tout ça. Bon, alors j'ai vachement coupé parce que j'ai passé énormément de temps à regarder tous les trucs. Finalement, j'ai pris ça, le Very Heavy Rocketry, parce que. Bah pour deux raisons en fait. La première, c'est qu'il y a le transformateur de chitane lourd, donc quelque chose de beaucoup plus gros, et c'est ce que je voulais. Et la seconde raison, c'est que j'ai envie de commencer à envoyer des choses très très grosses, et que avoir les énormes moteurs que vous me voyez utiliser là, je me dis que ça peut être assez pratique, et je pense que j'ai eu assez raison au final. Alors, là on a une fusée qui est tout à fait classique, je ne vais pas vous mettre toute la montée en orbite, vous commencez à connaître, mais j'aime bien vous montrer au moins le début pour que vous puissiez voir comment le début du vol s'est passé. En l'occurrence, c'est quelque chose de très classique, hein, comme d'habitude, une grosse fusée centrale. Sauf que là, vu qu'on commence à passer dans un volume encore supérieur, on met un booster liquide de chaque côté et un booster solide de chaque côté aussi. Alors, une fois arrivé en orbite, quelle est notre prochaine destination? Vous ne le savez pas encore. Il s'agit de Mimas. Oui, je pense qu'il est temps de s'attaquer à la fameuse station de minage de chitane dont on parle depuis quelques épisodes, on en avait installé sur Moon, qui n'a jamais vraiment servi malheureusement. Faudra peut-être qu'on y repense, mais vous avez tous dit que je devrais la faire sur Menmes la vraie, donc c'est ça que je vais commencer à faire. Bon, par contre là j'ai un petit problème, c'est que l'étage du haut était parfaitement soutenu tant que j'avais la coiffe autour. La coiffe enlevée, c'est plus du tout soutenu, donc je suis obligé d'aller très lentement avec ces gros 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 moteurs. Bon, heureusement, je vais pouvoir m'en débarrasser avant trop longtemps. Mais je suis quand même content de les avoir eu, ces moteurs, parce qu'ils sont. Bon, je sais pas s'ils sont OP. Il y en a certains qui trouvent qu'ils sont vraiment trop puissants. Moi, je trouve que pas forcément, mais après, c'est sûr que oui, ils sont très 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 puissants, ça fait aucun doute. Alors, en attendant, nous, on se lance avec les tout 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 petits moteurs, justement. Complètement l'inverse, et on a notre rencontre avec Menmus. Arrivé à la périapsis, on va pouvoir freiner et se mettre en orbite, et on va également pouvoir choisir enfin, où on a envie de se mettre. Alors, pendant qu'on a une petite pause, j'ai envie de parler du magnétomètre et remercier Damien qui m'a envoyé un MP parce que mon problème avec magnétomètre, c'était qu'on ne pouvait pas prendre la science avec un carbonate. Et bien maintenant, on peut. En fait, j'ai édité une ligne de code. Je sais que Scott Manny l'avait fait, on me l'avait mentionné dans les commentaires, mais je ne savais pas comment faire. Et lui m'a envoyé les lignes qu'il fallait que je change. Donc en fait, c'est juste une copie des autres. Donc merci à toi, Damien. Du coup, grâce à toi, j'ai pu avoir un magnétomètre qui est comme les autres. Je trouve ça assez étrange d'avoir juste un outil qu'on ne peut pas. Enfin, qui fonctionne pas comme les autres. Donc voilà. Alors, j'ai changé mon orbite ici parce que je me suis rendu compte que là j'avais plein, 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 plein d'expériences qu'on me demandait qui étaient tout simplement quand je passais au-dessus des biomes de Menmus. Donc, du coup, je me suis dit parfait, je vais me mettre en orbite très basse autour de Menmus et passer au-dessus de chacun et à chaque fois faire un IVA, récupérer de la science à coup de, je crois que c'est 32 de science à chaque fois. Ça fait du bien. Hein, voilà. C'est quoi? C'est 20 ou 32? Ouais, 32, c'est ça.
Donc j'en vois à chaque fois et ça grossit beaucoup, hein, 32 fois, je sais pas, j'ai dû le faire 5 fois en tout, quelque chose comme ça. Mais bon, au final, on s'approche quand même de cette zone qui est la zone que j'ai choisie pour notre base. Alors pourquoi? Parce qu'elle est à la couche 0, c'est complètement plat, il n'y a pas d'histoire de plateau ou quoi que ce soit, il n'y a pas de question de hauteur ou quoi, on sait que voilà, c'est à la hauteur 0 mètres. Le seul problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a énormément de brume et que ça devient très 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 compliqué de gérer ça en fait. J'espère que je vais pas avoir trop de mal à me poser, mais bon, on se rend compte que quand même la brume est surtout visible de loin. De près, ça va, là vous voyez que je peux voir mon ombre, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à se poser avec les autres vaisseaux. Hop, alors ça va, vitesse horizontale à 0 et je descends à 5 mètres par seconde, c'est gérable. Alors, passer en dessous de la barre des 100 mètres, j'essaie de voir un peu pour la caméra. Parce qu'en fait, l'idée là, c'est de larguer le truc en dessous et ensuite de se poser avec l'étage du dessus qui, vous voyez, a ses propres petits réacteurs. Mais je suis pas convaincu, je suis pas sûr que ça va marcher. Ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on lâche et on va pivoter et voilà, là on va se poser très doucement. Donc je voulais faire ça de beaucoup plus haut, mais en fait le faire de si bas, ça marche vachement bien, ça marche vachement mieux même. Alors ça y est, on se retrouve avec Archibald, Bob et Derby sur la surface de Minmus. Alors, on a ce réservoir qui est juste à côté, je trouve ça un petit peu dommage. C'était vraiment pas le but de l'avoir aussi proche. Mais bon, je pense pas que ce soit dramatique. Je me demande si on peut même pas. Oh, tiens, ça c'est quelque chose que j'ai envie de tenter. Alors, première chose, c'est que toi tu vas lâcher. Hop. Voilà, viens par là. Alors, on peut pas courir par contre. Ah oui, non, si, on va quand même. Alors, attendez. Hop. Voilà, on va quand même sacrément plus vite comme ça. On va s'éloigner un petit peu. Et, genre, ici, on va pouvoir poser un drapeau. La raison pour laquelle je m'éloigne un petit peu, c'est parce que si c'est une base de ravitaillement, c'est qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui vont s'y arrêter. Alors, EVA Report. 40, surface sample, ou vachement bien, et plant flag qui va être là, Minmus Keithane. Alors, Minmus Keithane Base. Hop, très bien. Hop, alors, moi, ce que j'avais envie de lui faire, c'est voir si on peut pas le fixer ce réservoir-là. Mais je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr qu'on ait envie. Non, vous savez quoi, on le fera. On verra ça plus tard. C'est pas la priorité pour l'instant. Alors, par contre, en termes de priorité, déjà, on va déployer tous les panneaux solaires. On va déployer l'antenne. On va faire un crew report. Non. Hop, lui, c'est bon. En fait, c'est déjà fait. On a le crew report par contre, 25 à envoyer, parfait. Material study, voilà, j'ai emmené un material study et un mystery goo juste pour être sûr d'avoir toutes les expériences. Non, d'ailleurs, j'ai oublié le mystery goo. Mince, faudra que j'envoie dans un autre vaisseau, c'est pas grave. Alors, keep data. Oui, je le renverrai avec quelqu'un. Et alors, on a plusieurs choses qu'on a envie de faire. Ah non, me dis pas que je. Non, c'est bon, je l'ai oublié. Donc, température, ça c'est bon, c'est fait. Par contre, j'ai lui. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. C'est qu'on va faire. Non? Voilà. Alors, lui, en fait, l'accéléromètre, avant, dès qu'on se posait, ça enregistrait quelque chose. Maintenant, il faut qu'il y ait un choc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on l'enregistre. Donc, dès qu'il y a un impact, il le saura. Et ce qu'on va faire, c'est que ici. À l'avant, on a ça qui va se détacher et en même temps, on a des ces patrons qui vont se lancer, donc normalement, ça va exploser. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Non, t'es sérieux? Il n'y a pas assez de puissance. Et en plus, ça va me retomber sur la gueule. J'hallucine.
Mais t'es sérieux là? Ouais. Bon bah je suis un peu deg. C'était pas censé se passer comme ça. Alors, juste on va rentrer les panneaux solaires, histoire que ça nous les pète pas. Ah non, ça va tomber, ok. Bon, bah on faudra qu'on emmène un autre vaisseau qui pourra faire un impact. Mais c'est un peu con. Bref. Qu'est-ce qu'on a du coup? On va s'assurer que tout ça marche bien. Parce que si vous voyez, en ressources, il manque pas du tout de ça, mais il manque un tout petit peu de ces deux-là. Alors du coup, c'est l'occasion de vérifier que tout ça marche bien. Hop, si on lâche, enfin si on lance notre petit mineur, et ici on va activer tout ce qui est liquid fuel et oxidizer. Quoique non, inutile de l'activer pour l'instant tant qu'on n'a pas de keythane. J'ai par ailleurs un petit peu de lumière verte qui se voit pas beaucoup. Je pensais que ce serait un petit peu plus puissant que ça. Mais juste voilà, c'est du keythane donc ça a une lumière verte. Hop, on va ouvrir les panneaux solaires parce qu'il va nous falloir beaucoup d'énergie. Mais d'ailleurs, c'est pas que cette énergie-là qu'on utilisera. On y reviendra, je pense, dans le prochain épisode. Ça devrait vous plaire. Alors, ça mine plutôt vite. J'ai l'impression que ça mine plus vite que la dernière fois. Hein. Pourtant, normalement, c'est le même truc, mais bon. Liquid fuel et oxidizer, on est stable. J'ai l'impression qu'on est stable. On a ça qui ressort pour se refroidir un petit peu. Et ça y est, ça a déjà fini. Donc nickel. Voilà, donc lui, on va le laisser miner un petit peu son keythane. En tout cas, notre base est opérationnelle. Et donc c'est à côté de ça que les autres vaisseaux vont venir se poser. Ou plutôt... Bon alors ici, j'ai un autre module que j'ai envie de déployer prochainement. Je vous en parlerai à ce moment-là. J'ai pas envie de trop spoiler. Ici, j'ai un autre dock pour des expansions potentielles. D'ailleurs, peut-être que j'inverserai ça, on verra. Et par ailleurs, en fait, moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est que tous les vaisseaux qui vont donc venir autour de Menmus pour pouvoir ensuite aller vers d'autres planètes sans avoir à embarquer des quantités monstrueuses de carburant, ne vont pas venir se poser, parce que tous ne sont pas forcément voués à se poser quelque part, mais vont se mettre en orbite, et on aura une station là, et avec une sorte de navette qui va faire bah, justement la navette entre la base et la station pour ramener plein de carburant. C'est Menmus, donc ça consommera pas énormément, même si c'est des trucs très très lourds. Voilà, sur ce, moi j'ai... comment il s'appelle? Delbert, c'est ça? Del... Hein, c'est quoi son nom? Delbel. Ok. Enchanté, Delbel. Qui va re-rentrer, et donc je vais pas tarder, je pense, à envoyer quelqu'un avec un vaisseau pour pouvoir rentrer. Parce que j'ai... Oula! J'ai pas mal de science que j'ai envie de récupérer en fait. J'ai envie de la ramener en vrai quoi. J'espère que ça va pas être un problème pour rentrer ça. Attendez. Hop. Ah non, c'est bon. Hop. J'avais décidé de pas mettre d'échelle parce que sur Minmus on n'a pas vraiment besoin. Mais voilà, bah écoutez, sur ce, on va laisser nos trois Carbonauts dans leur nouvelle base avant de l'agrandir dans les prochains épisodes. Merci à tous d'avoir suivi pour cette mission qui a comporté un fail de proportion épique avec la sonde et une réussite avec cette première base sur Minmus. Salut à tous!